Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va de mieux en mieux, voire très bien. Bienvenue pour la suite de Heavy Rain, nous en sommes à l'épisode 14, course, poursuite, c'est parti. Je sais que vous attendez cet épisode depuis bien trop longtemps, donc sans plus attendre, on est reparti avec Ethan Mars. Et souvenez-vous que la dernière épreuve, je n'ai pas tué la personne qui était en face de moi. Mais grâce au Blue Lagoon, etc., on en a pris peut-être un petit peu plus. C'est parti. Ethan, est-ce que ça va ? Je n'ai pas pu. Je devais le tuer pour sauver Sean. Mais je n'ai pas pu. Vous n'êtes pas le tueur aux origami, Ethan. Vous n'êtes pour rien dans tout ça. J'en ai la preuve. Qu'est-ce que ça change ? Tout ce qui compte maintenant, c'est de sauver Sean. Embrasser, ne pas embrasser. Franchement, il me fait de la peine. Amuse-toi, mon Ethan. Essaye d'oublier l'espace d'un court instant. Mets-lui sa part, mon Ethan. Oula, respirez. On dirait qu'elle cherchait de l'air. 307 douce musique. Bon les gars, là c'est du Peggy 18. Hein. Ah, on commence la vidéo hard. Hein. Je vous le dis, parce que là clairement je vais lui mettre sa part. J'ai des choses à oublier les amis. Oh la cochonne. Elle est donc venue dans la chambre juste pour ça? Hop, attends. Je m'y reprends une deuxième fois. Ça arrive. Ça pourra vous arriver aussi, attention. Vas-y, hein. Le téton gauche, hein. Mon seul point faible. Je suis sensible du côté... Arrête! Hop, voilà, une petite caresse sur l'épaule, ça me fait plaisir, c'est moi qui régale. On continue de l'embrasser en parallèle, hein. Des petits bisous dans le cou, voilà, on adore. C'est du Peggy 18, c'est très gênant. C'est très gênant, j'espère que vous avez l'âge. On va lui mettre sa part, hein. Je me souviens que c'est cette scène qui avait fait un petit peu parler, entre guillemets. Mais ça reste beau. Ça reste beau, l'amour, les amis. Alors, Ethan, c'est pas très confortable de le faire au sol, d'accord? Ça sert à quoi se faire un limbago, frérot, hein? T'as pas besoin de ça. Hein. Bon, là, c'est parti, je vais lui mettre sa part. Hein. Hop, voilà, il y a un lit juste à côté, mais pourquoi pas? Pourquoi pas à terre? Nos corps se frottent mutuellement, sensuellement, on adore. Un petit peu de chaleur, ça fait plaisir. Un petit peu d'amour dans ce monde de brutes, s'il vous plaît. Et ils sont déjà tombés. C'est qu'ils se mettent déjà leur part. Pourquoi donc aller sur le lit, les amis? Pourquoi? C'est beau, une nouvelle relation est née. Ok, on va pas la réveiller. Ok.
Et là, bam, il lui brise la nuque. On n'en parle plus. Fin du game pour elle. Faut se remettre à l'enquête, là, Ethan. Hein. C'est bien, mais je suis fier de toi, mon frérot. Mais faut s'y remettre. Ok. Ah, je croyais que tu voulais faire quelque chose. Très bien. Et là, boum! Prise de catch, ça la réveille, elle est en stress. Eh, toujours... Ah, ouais. Ah, j'ai pas fait les courses. J'allais dire toujours boire une petite briquette de lait ou de jus d'orange. Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, on va choisir... On va prendre ses affaires, pardon, et non les choisir. Voilà, il est temps de se ressaper. On a fait le boulot, les gars. On a fait le boulot, je ne suis pas peu fier. Comment bien recommencer l'aventure sur Heavy Rain? Hop, attention, hein. C'est un glaçon, hein, le t-shirt. C'est bon, c'est bon. Quantic Dream, ils ont du mal à modéliser. Je sais pas comment expliquer, mais toutes les formes géométriques arrondies, ils ont énormément de mal. Et dans Beyond Two Souls, c'était pareil. Je vous avais fait la remarque, si vous vous souvenez bien. Oh, là, ça va être compliqué. Hein. Les dernières lettres. 961, Rainbow Lane. Très bien. Ok, on va voir un petit peu ce que ça donne. Là, je suis dans un état, les gars. On va essayer de se réveiller calmement. Voilà, on se regarde. Ouais, beau gosse, beau gosse. T'as pécho, frérot, t'as pécho. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire? Relation Madison, tiens. C'est la seule personne en qui je peux avoir confiance. Mais ce que j'ai à faire maintenant, je dois le faire seul. C'est beau, putain. C'est ça qu'on aime. C'est cet esprit, les gars. Ne pas mettre son prochain dans la merde. On va essayer de s'en sortir tout seul. Même si tout le monde a plus d'infos que moi, à la limite. Plus qu'un origami. Et je retrouverai mon fils. Plus qu'un origami. C'est juste une adresse. C'est fort inquiétant. Est-ce que je peux pas faire un petit bail? À part la regarder. T'es un pervers. Hop, attendez. Ok. Il pleut, on est toujours à la bonne période. Toujours la même époque, ça fait plaisir. Bon bah on est parti, on s'en va messieurs. Et mesdames, évidemment, mesdames et messieurs, c'est incroyable, on prend le manteau hein. Je suis dans un sale état. Ah! Pas bien Ethan. Pas bien. Oh la salope. Elle m'a pris en photo pendant que je dors. C'était même pas mon meilleur profil. J'aurais dû deviner. Pendant tout ce temps, je n'ai rien vu. Ethan, qu'est-ce qui se passe? Salope! Je pensais que tu ressentais quelque chose pour moi. Écoute, je... Alors que tu n'étais qu'une putain de journaliste! Ah Ethan, je voulais tout avouer, mais... C'est quoi l'article que tu voulais écrire? Ma vie avec un tueur en série? Ou comment j'ai fait arrêter le tueur aux origamis? Peut-être que t'écriras un best-seller? J'espère que ça valait le coup! Ethan, ce n'est pas ce que tu crois, je... Tu m'as menti, Madison. Pendant tout ce temps, tu m'as menti. Je pensais que tu voulais m'aider, mais toi, tu pensais qu'à ton putain d'article. C'est vrai. Je suis une journaliste. Je savais que tu étais le père du gamin qui avait disparu, et... Et je voulais couvrir l'affaire. Puis, j'ai vu ce que tu endurais pour sauver ton fils. Et je... J'ai compris combien tu l'aimais. Plusieurs fois, j'ai voulu te dire la vérité. Mais j'ai pas pu. J'ai eu peur que... Que tu ne me crois pas. Que tu me demandes de partir. Tout ce que je veux, c'est que tu retrouves ton fils vivant. Et quand tout sera terminé, je veux rester avec toi. Je te pardonne.
vu ce qu'on s'est mis hier soir. Je suis désolée, Ethan. Elle a l'air sincère. Elle a pris des risques, tellement quand même. Tellement désolée. Tu vas repartir. C'est ça? C'est le dernier origami. Les dernières lettres, et je saurai où est Sean. Fais attention à toi. Je ne veux pas te perdre. Abuse pas, on se connaît pas plus que ça. Hop, c'est un glaçon, hein, le jean aussi. Je vais chercher quelque chose à manger. Attends-moi, je reviens dans 10 minutes. Ah ! Tu me prends pour un connard ! Je pardonne ! Mais je n'oublie pas. Ok, bon, j'ai rien dit parce que je joue Madison. Donc je vais très vite fermer ma gueule. Et on est parti. Hein ? Où tu vas, Madison ? Qu'est-ce qu'on fait, Madison ? C'est le tour, on n'a rien à faire là, Madison. Elle est partie toute seule là-bas, je vous promets, hein. On va retrouver son fils et prouver son innocence. Maintenant qu'il sait qui je suis, je vais pouvoir l'aider. Ok. J'ai eu tellement peur qu'il ne me croit pas. J'ai été stupide. J'aurais dû tout lui avouer avant. Eh oui, Madison. Je crois que je suis vraiment amoureuse. T'as dépassé les bornes, Madison. Maintenant, il faut qu'on retrouve son fils. Et je crois que je sais par où commencer. Maintenant que nous avons des âmes, il est temps de retrouver cet enfant qui est en train de mourir au fur et à mesure que la pluie augmente. Allez, c'est parti, direction le distrib. Je vais prendre un petit coffee, tu vois, on se met bien. Hop, pas du tout, hein, ça ferme ma gueule très rapidement. Ah, manquait plus de pluie. Ok. Les flics, ils sont venus pour Ethan. Ils vont cerner la chambre et donner l'assaut. Ok. Va falloir faire très très vite. Hop, bouge-toi. Voilà, je te connais pas, frérot. Ok. Merde, c'était quoi déjà le numéro? 207. Allez, réponds. Cours. Oui. Les flics, ils sont dans le motel. Il faut que tu partes tout de suite. On arrive ici. C'est pas le con. Oh là, je vois pas comment il peut faire. Oh non, putain. Va falloir que je gère toutes les touches là. Hus ! Hus ! Et ouais, mon pote ! Hus ! Hus ! C'est toujours en deux parties, hein. Allez, hein. Hop, le bras avec le doigt en moins, on oublie. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'il fout celui-ci ? Dis donc. Ah, j'ai pas. Désolé. J'ai pas pu. Bah ouais, putain, les mouvements de manette, c'est l'enfer. Ok. On va là-bas. Ah, tout Jésus. On monte. Je sais pas. Ah, allez, on y va. Moi, je vais me barrer en hélico, mon frérot, tu vas voir. Tu vas voir comment ça se passe. Putain, j'ai un doigt en moins, tout ça pour ça, quoi. Hop, esquive. Double esquive. On court. Hop, hop, hop. Ok. On passe par au-dessus. Ça, c'est mon petit côté un peu speedrunner. Hop! Oh là là! C'est donc ça que j'hygiène! Ouais, je passe par tous les endroits improbables. Ça me fait plaisir. Allez, saute. Hop! Alors, on est nul. Je sais pas comment il m'a rejoint aussi vite, notre joke. Ok. J'ai peur. Je frissonne. Je suis débile! Je suis le SWAT, je sais pas courir! Ok. Jusqu'ici, je gère. Allez, mon Ethan. Là, je suis hyper concentré. On rigole, mais on voit pas le fond du bol, les frères. Et les sœurs. Et les frérotes. Et les sœurotes. Terminé. À genoux. Je suis un fils de pute, si je veux mal. Derrière la tête. Mais j'ai tout bien fait. Restez calme. Tout va bien se passer. Non, tout va pas bien se passer. Il n'y a pas d'autre issue. Salut! Allez!
Allez. J'ai tenté, je sais pas. Je me suis dit, il a regardé deux fois, c'est qui sait qu'il y a quelque chose en bas. Allez, s'il te plaît, Madison. Oh, mais j'ai cru qu'il allait m'éclater. Allez, frérot, taxi, abuse pas, gros. Allez, casse-toi. C'est quoi ton problème? Je viens de te carjack. Allez, salut, bolos. C'était chaud en vrai. Si on se rendait, je sais pas ce qui était possible de faire. Honnêtement, aucune fichue idée. Mais je pense avoir fait le bon choix. Si j'ai sauté, c'est vraiment parce qu'il a regardé deux fois. Et ça me semblait, voilà, pour moi, il avait repéré quelque chose. Je savais pas qu'il y avait un échafaudage. Mais on a réussi à partir, c'est le principal. Homme à femme. Ouais, c'est vrai. Champion de l'évasion. C'est vrai. Jeudi 23h43. Nous sommes de retour avec notre détective privé, bien évidemment. Toc toc. Non, pas du tout. Lorraine ? Je suis désolé, Scott. Vous auriez dû m'écouter, Monsieur Shelby. Je vous avais dit de laisser tomber cette enquête. Votre fils est un tueur en série. Combien de personnes faut-il encore qu'il tue pour que vous le dénonciez ? Gordy a ses défauts, mais c'est mon fils. Vous n'avez pas d'enfant, Monsieur Shelby. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne me laissez pas le choix. Je vais devoir clore votre enquête. Oh ! Définitivement. Ok, j'ai pris ma part. Ah oui, ça s'arrête plus. Je prends réellement ma part. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. On va essayer des choses. Va falloir sortir de là. L'eau est pas encore dans le véhicule. Ok, on peut faire ça peut-être. Ça me paraît pas mal. Non, ça paraît dégueulasse. Lorraine, elle s'en bat les couilles, hein, Lorraine. Allez, on continue, on se coule. Ouais, j'ai l'air d'un débile, mais ça me fait plaisir. Ça va craquer, hein. Ça va craquer. Hop. On va allumer le contact. Peut-être un petit peu de musique. Voilà, ça me fait plaisir. Hop. Hop, on va casser un bout de verre. Hop, on prend ce verre. Et on coupe, et on coupe. Oh putain de merde. Lorraine, j'ai peur. Mais toi, tu dors, hein. Toujours plus facile quand on dort de toute façon. C'est bon. Lorraine, qu'est-ce qu'on fait, ma grande? Ok. Non. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est pas une bonne idée, ça. Non, c'est pas une bonne idée, ça. C'est pas une bonne idée. Allez, réveille-toi. Lorraine, réveillez-vous. Lorraine, réveille-toi, ma soeur. Lorraine, je panique. Allez. Ok, c'est bon. Hop. Allez, hop. Hop, des patates, hein. Lorraine, salope. La vie de ma mère qui va se réveiller. Je suis à deux doigts de bouillir. Lorraine, faut qu'on se tire. Mais t'es débile. C'est bon, je l'ai détaché. Ouais, bah j'ai préféré la détacher avant. Oh non, je pars sans. Ah non, je pars avec. Petit moment de frisson. C'est bon, les gars, c'est bon. J'ai réussi à la sauver. J'ai réussi à me sauver. La natation. Et je voyais pas ça comme ça. Est-ce que vous avez une voiture? J'ai peur que la mienne soit plus en état. Mais bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai des comptes à régler. Venez, je vous ramène. Enfermez-vous à double tour et n'ouvrez à personne d'autre que moi. C'est compris? Allez. Sois prudent, Scott. Je veux pas te perdre. Quand ma soeur, on se remet des émotions déjà, s'il vous plaît. C'est quoi ça?
L'autre, elle parle normal, je viens de la sauver et tout. Putain, je sais pas, pipe-moi. Fais-moi une piperade. Maître nageur, c'est vrai. C'est vrai. Ça me fait plaisir parce que dans cet épisode, ils arrivent à... Voilà, ils arrivent à me décrire. Ça me fait extrêmement plaisir. Bon, allez, là, on est parti. On va baiser des bains. Pas le temps de niaiser, hein. Ici, c'est du 300 secondes. Hop. J'arrive niquer des mères. Voilà, on passe par le salon. Hop, le coup du billard. Ça dégage. Je suis énervé, hein. Et quand je suis énervé, faut pas faire chier Shelby, hein. Oh! Damn, Daniel! Allez, ça dégage! Qu'est-ce qu'il y a, les bitches? Voilà, ça dégage. Et toi, bon frérot, hop. Reload! Oh lolo, il s'en bat les couilles. Ça c'est jouissif! Ça c'est jouissif, mon pote! Gros, c'est un T2000! Shelby! Oh bah lui, alors là, je suis désolé. Mais je baisse des merdes. Oui, je l'ai foiré. C'est pas grave, j'ai reçu une balle. Non, je recharge pas, hein. Bah les couilles, hein. Oh le, ils s'en bat les couilles de tout, hein. Bon, par contre, une balle qui te fait sauter faire salto arrière, frérot. Hop, hop. Mais gros, j'ai un deagle ou quoi? Je tire des roquettes! Alors, fils de pute! J'ai munitions illimitées, tu veux me tester? N'approchez pas! N'approchez pas où je tire! T'enfoiré! Pitié! Allez, hop, ferme ta gueule! Mon frérot, tu vas prendre ta dose, hein! Tu vas prendre ta dose! T'as failli tuer deux personnes, dont une innocente! C'est ton taré de fiche qui a tué ses enfants. C'est lui le tueur aux origami. Non, non, il est innocent. C'est pas un assassin. C'est pas un assassin. Ouais. On va l'emmener à gauche. Ça me paraît pas mal. La lumière me gênait. C'est de très mauvais goût. Espèce d'enfoiré. Tu vas me dire la vérité. Non, je vous en prie, ne me faites pas de mal. Dernière chance. Je sais rien, je le jure. Je sais rien du tout. Okay. Arrêtez. Non, je vais pas le tuer. Je vais vous dire tout ce que je sais. Ah, ok. Bon, vas-y, tranquille alors. Gordy, il voulait juste s'amuser. Il voulait copier le tueur aux origami. Il a enlevé ce gamin. Il lui a mis la tête sous l'eau un peu trop longtemps. C'était un accident. Un regrettable accident. Il voulait juste jouer. Il m'a avoué. Il était en larmes. Il regrettait tellement ce qui s'était passé. Et quoi qu'il ait fait, Gordy est mon fils. Personne ne le regrettera. Quoi? Le petit gars que Gordy a tué ne manquera à personne. Un pauvre nègre, comme il y en a des milliers. Hein? T'es qu'une putain d'ordure. Nique-le. La vie de ma mère, nique-le. Et John Shepard, pourquoi est-ce que tu fleuris la tombe de ce gamin? J'étais propriétaire du chantier où il est mort. Je n'ai jamais oublié. Ça fait maintenant 30 ans que je fleuris sa tombe. Et le frère jumeau de John, qu'est-ce qu'il est devenu? Je ne sais pas. Il a été adopté, je crois. Sa mère. Sa mère doit savoir. Elle s'appelle Anne. Anne Shepard.
cœur. Mon cœur. Vite. Le karma, mon frère. Pilule. Dans le tiroir, là. Vas-y, je vais l'aider. Je vais l'aider, les gars. Je suis pas un fils de pute. Par contre, c'est pas à moi de décider de vie ou de mort. Par contre, son gamin, si j'ai l'occasion de le tuer, bon. Merci. Vous m'avez sauvé la vie. Je le regrette déjà. Ça va? Pilule assez assez réactive, on apprécie. J'ai enculé tous ces gardes. Hein. Je pense qu'il a quelques morts sur la conscience. Bon, situation assez compliquée. Honnêtement, j'aurais pu laisser le karma faire. J'ai préféré le sauver. Pourquoi? Bah parce qu'il a des infos, tout simplement. Cœur en or, trophée obtenu. Ah putain, mais... Ah, il me décrit tellement bien. Vendredi 9h07, 126,94 millimètres. Ok, je suis dans un hôpital. Il ne reste que quelques heures pour sauver Shonma. Bonjour, je cherche la chambre d'Anne Shepard. Signez le registre, s'il vous plaît. Ah, mais comment elle a su ça, elle, de Jésus? Vous êtes de la famille? Oui, en quelque sorte. Ah, oh, ça lui fera plaisir d'avoir de la visite. Personne ne vient jamais la voir. Elle n'a plus toute sa tête à cause de la maladie d'Alzheimer, mais... ça lui fera plaisir quand même, vous savez. La pauvre. C'est la chambre 19, au bout du couloir. Merci. Dans cette histoire, il y a vraiment tout le monde qui prend sa part. Je cherche la chambre 19. C'est ça, c'est, on vient de le dire, Madison. Ça me fait plaisir que tu te rappelles du numéro. John Shepard est mort il y a 30 ans. J'espère que la mère de John aura la réponse à ce mystère. Je cherche la chambre 19. Je peux pas péter une petite fleur, là, en mode... Bah les gars, c'est pour faire un cadeau. Ah, excusez-moi. Quand les caméras changent subitement comme ça, ça met des claques toujours. Ça changera pas. Chambre 18, chambre 17, sûrement celle d'après. Chambre 19, on est bon. Et c'est ici. Non, pas du tout, c'est la chambre numéro 20. Se fout un peu de ma gueule. C'est là. Anne Shepard. Dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es. Ça c'est tout. Bonjour, Madame Shepard. Est-ce que c'est déjà l'heure de mon médicament? Non, Madame Shepard, je... Ils ne sont jamais à l'heure pour mon médicament. Je ne sais pas ce qu'ils font ici. Dans l'autre hôpital, ils étaient ponctuels, mais ici... Je m'appelle Madison Page. Je suis journaliste. Je voudrais vous poser quelques questions sur votre fils. Je n'aime pas cet hôpital. Ce qu'il serve à manger n'est pas très bon. Vous vous souvenez de John? Mon petit John. C'est un brave gamin, vous savez. Votre autre fils, Madame Shepard, le frère jumeau de John. Comment s'appelait-il? Mon autre fils? Quel autre fils? Je n'ai jamais eu d'enfant. Ok. Essayez de vous rappeler, Madame Shepard. Le frère jumeau de John a été confié à une famille d'accueil après l'accident. Vous vous souvenez du nom de la famille d'accueil? J'ai demandé à voir la télévision. Mais ils ont dit que je n'avais pas assez d'argent. C'est dommage. J'aime bien la télévision. Ok. Madame Shepard, votre fils pourrait être lié à une affaire de meurtre. Vous savez peut-être quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Vous êtes une nouvelle infirmière? Où est mon médicament? Je vais te débrancher, ma sœur. Vous avez eu un fils, John, et John avait un frère jumeau. Vous avez mon médicament? C'est l'heure de mon médicament. Ok.
C'est quoi les manips pour je la... Je sais ce qui s'est passé à Carnaby Square. La réinstaller, là. Est-ce que vous vous rappelez? Carnaby Square. Je crois que j'ai habité là-bas il y a longtemps. On n'avait pas beaucoup d'argent à l'époque, vous savez. On devait se contenter de peu pour vivre. Ok. Je crois que votre fils a des problèmes. Il a fait des choses très graves. Il faut absolument que je le retrouve. Vous me comprenez? Des choses graves? Ça oui. Il n'est jamais venu me voir, vous vous rendez compte? En 10 ans, jamais. On n'oublie pas sa mère comme ça, n'est-ce pas? D'accord. On ne peut plus rien lui dire. On a déjà tout fait. Il n'y a plus qu'à la débrancher, c'est terminé pour elle. Je déconne évidemment. Elle a pas une photo, quelque chose? Hop, et voilà. J'adore les origamis. Mais celui-ci n'est pas mon modèle préféré. D'accord. C'est lequel ton modèle préféré? Attends, comment je suis censé deviner? Ah, je pense avoir... Non, pas celui-ci. Je... Oh, peut-être le chien? Non. Pas le crapaud. Vous croyez que c'est le deuxième? On va tenter le chien. J'adore les chiens, donc j'ai envie de faire un chien. Ça me fait plaisir. Si on peut apprendre en plus à faire un ou deux origamis... Et voilà. Vous savez faire des petits chiens aussi? Mes enfants adoraient les origamis. Je leur avais appris à en faire. John les aimait beaucoup. Il voulait toujours tous les baptiser Max. Max, Max, Max. Tous les chiens avaient le même nom. J'avais beau lui répéter qu'il ne pouvait pas les appeler tous pareils. Il n'avait que ce nom-là à la bouche, Max. Idiot, n'est-ce pas? C'est intéressant. On a eu quelques petites infos. Très intéressant. Cette femme est peut-être la mère du tueur aux origamis. Il doit bien y avoir un moyen de l'aider à se rappeler. Très 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 intéressant, McLesgie. Mais c'est la merde sur les caméras. Si je cherche le nom de la famille d'adoption de son fils... C'est vous qui fabriquez ces origamis? Mes petits animaux en papier. Ils jouaient avec pendant des heures. J'ai appris à mes garçons à en faire, vous savez. Oui, vos garçons, Madame Shepard. John et... Comment s'appelait votre autre fils, déjà? Mon autre fils? Je n'ai eu qu'un fils. Mon petit John. Putain, mais tu vas... Je vais te découper, hein. Y'a pas un truc, là, pour qu'elle comprenne, là, je sais pas, je lui paye la télé, ma sœur. On dirait que vous ne recevez pas souvent des fleurs. Non, pourtant, je les adore. Mon fils sait que j'adore les fleurs. Oh là. Je sais qu'il va venir m'en apporter. Elle est en 10 FPS. Ok. Ok, on a une photo. Ce sont vos enfants, Madame Shepard? John et son frère. N'est-ce pas? De gentils gamins. Leur père ne s'occupait jamais d'eux. Toujours à picoler. Ils n'ont pas eu la vie facile, ça non. Ok. Souvenirs reviennent. Il faut que je continue, elle va se rappeler. Bah, frère, là, c'est... je vois pas en fait ce qu'il faut. Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. Ah, ah, je suis Keblo. Ah, hop, bonjour, hein, les caméras. Voilà, on adore. J'ai l'impression de jouer à Resident Evil, frérot, sur... C'est terrible. Ah, non, non, retourne dans cette pièce.
Saloperie. Putain. Oh, je suis bel gosse. Ok, la musique, elle s'est arrêtée net, hein. C'est bon, elle a repris. C'était pour marquer un suspense peut-être plus... Ok, c'est bien, on peut se regarder dans chaque miroir, ça fait extrêmement plaisir. Il y avait un croix qui s'était dissimulé d'où Jésus. Bon, inutile d'insister, je n'en tirerai rien de plus. Il n'y a plus rien à faire. Attendez, elle aime les fleurs. Moi j'adore les fleurs aussi. Donc si je prends les fleurs ici présent et que je reviens, ça peut être cool. Qu'en pensez-vous? Donc on va les prendre et on y retourne et puis ça devrait le faire. Allez, on y croit. Je vais parler à elle parce que j'ai envie de lui parler. Est-ce que Madame Shepard raconte des souvenirs parfois? Ça n'arrive que rarement. Parfois, des bribes de souvenirs lui reviennent. Quand elle voit un objet ou quelque chose qui lui rappelle son passé. Très bien. Est-ce qu'elle a déjà parlé d'un de ses fils? Ses fils? Eh bien, elle parle souvent de John. Il est mort noyé, je crois. Elle n'a jamais parlé d'un autre fils? Non, pas que je sache. J'ignorais qu'elle en avait un autre. Ok. Je cherche à retrouver son deuxième fils. Il a été adopté et a probablement changé de nom. Est-ce que vous auriez des documents d'état civil sur Madame Shepard? Non, il n'y a rien. Rien sur sa famille, en tout cas. Si son fils a été adopté, alors il n'y a qu'elle qui puisse vous répondre. Pour l'aider à se rappeler, vous devriez lui montrer des choses qui lui rappellent son passé. Vous obtiendrez peut-être une réaction. Merci pour le conseil. Tu sais, d'habitude, une infirmière, elle va te dire « Non, mais laisse-la tranquille, enfin, là, t'es chiante, tu vois. » Elle fait « Non, mais vas-y, ramène-lui des trucs, elle va se souvenir. » Je te ramène une fleur, ma soeur. La vie de ma mère, t'as intérêt à se souvenir. Sinon, je vais te découper, hein. Voilà une belle orchidée. Mes fils adoraient les orchidées. On en cultivait en pot. Quand John est mort, je les ai jetés sur son cercueil. Tu nous fais chier avec John, putain! Sors le blaze! J'ai pleuré quand on me l'a pris. J'avais déjà perdu un de mes deux petits. Voilà qu'on me prenait l'autre, vous comprenez? La famille d'accueil, Madame Shepard. Quel était le nom de la famille qui a adopté le frère de John? C'était des gens adorables, vraiment. On me les a présentés. Au début, j'allais voir mon petit garçon. Et puis, je suis tombée malade et j'ai dû arrêter d'y aller. Je suppose qu'il a cru que je l'avais oublié. Ou que je ne l'aimais plus, le pauvre petit. Le blaze! Son nom, Madame Shepard. Quel était son nom? Mais je l'aimais. Si vous saviez seulement comme il m'a manqué. S'il vous plaît, Anne. Son nom. Quel était son nom? Approchez. Qu'est-ce qu'il va faire? Daniel! Et vous aurez la suite. Au prochain épisode, on a le nom de du tueur à l'origami. C'est incroyable. Direction donc le prochain épisode qui sera peut-être le dernier. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. C'est juste fou tout ce qui se passe ici. À très vite tout le monde. Ciao, ciao. Demain vous aurez la suite.